Bonjour à tous, je suis Hu Laoshi. À partir d'aujourd'hui, nous allons apprendre le chinois et découvrir la culture chinoise ensemble. Le thème d'aujourd'hui est compter les chiffres. Vous êtes prêts? C'est parti! On va compter de 0 à 10 aujourd'hui. 0, c'est ling, ling. 二、三、四、四、五、五、六、六。Maintenant, on va compter les chiffres en combinant avec le geste d'une main. Je vous expliquais pourquoi et comment nous avons inventé ce système de compter les chiffres de 1 à 10 avec une main. Ok, on commence par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Savez-vous pourquoi nous avons inventé ce système de compter les chiffres avec une main? Pour 3 raisons. La première raison, c'est le côté pratique. Quand on va aller faire des courses, quand on va aller au marché, souvent on a une main qui est prise. On prend un panier, on prend des sacs ou bien des objets, donc on n'a qu'une main qui est disponible. Ça, c'est le côté pratique. La deuxième raison, c'est pour éviter les malentendus. Nous savons que la Chine est un pays très très grand. D'une région à l'autre, les dialectes y peuvent être très variés. Par exemple, dans le sud de la Chine, dans la province de Guangdong, les gens y parlent cantonais. Alors pour le reste de la Chine, les cantonais, c'est presque impossible de comprendre. Donc, pour éviter les malentendus, nous avons inventé ce système. Le dialecte, l'accent, il peut se tromper, mais le geste ne se trompe pas. La troisième raison, c'est le côté discret. Dans certains coins de la Chine, nous avons un système de vente aux enchères qui n'est pas très officiel. Par exemple, il y a un paysan qui veut vendre une vache. Alors, dans le marché, il y a plusieurs clients potentiels. Ils vont montrer leur prix aux vendeurs, mais ils ne veulent pas que leur concurrent va leur prix. Dans ce cas-là, ils vont cacher la main avec le geste du prix, du chiffre, en dessous de l'autre bras, hein, pour éviter que les autres le voient. Donc ça, c'est le côté discret. Donc, c'est pour ces trois raisons principales que nos ancêtres ils ont inventé ce système. C'est vrai que c'est très pratique. Alors, si aujourd'hui, vous allez voyager en Chine, souvent dans des petits marchés de fruits et légumes, parfois, vous pouvez voir certains marchands qui utilisent encore, qui se communiquent encore avec ce système. Donc, c'est très intéressant. Est important de connaître ce système. Ok, maintenant on va faire chiffre par chiffre avec le geste. Ok, vous êtes prêts?
Ok, on va commencer par E, R, San, Se, O. Alors, jusque 5, c'est presque pareil que qu'en France ou dans d'autres pays qu'on compte les chiffres. Je sais qu'en France, on commence par la pouce. Ça, c'est le 1. Hein? En Chine, c'est l'index. Donc, c'est un petit peu différent. Mais sinon, jusqu'à 5, c'est similaire. Hein? À partir de 6, ça devient différent. Donc, 6, c'est comme ça. Pour vous aider à mémoriser, alors, il y a des gens qui considèrent que à partir de 6, la pouce, il peut considérer comme le chiffre 5. Donc, si c'est le 6, on ajoute le petit doigt, ça fait 5 plus 1, donc c'est 6. Et le 7, on fait comme ça. Donc, le 5 plus 2 doigts, ça fait 7. Hein? 7. Alors, par contre, 7, il y a deux façons. Hein? Selon les régions différentes, il y a des gens qui font comme ça. Ou alors, il y a des gens qui font avec les 5 doigts, hein? Le bout qui se touche. Hein? Donc ça c'est 7. Donc deux façons, soit on fait comme ça, hein? Soit on fait comme ça. Ça c'est le 7. Donc, ti. Ensuite le 8 c'est pa, pa, tio, tio, c'est le 9, tio. Ensuite le 10, on ferme le poing. Chi, chi. Ok, maintenant vous savez compter les chiffres de 0 à 10 et vous savez comment compter les chiffres à la façon chinoise en utilisant une main. Pratiquez-vous, si vous avez des questions, n'hésitez pas de me laisser un message. Si vous trouvez mon vidéo utile, vous pouvez partager et aussi abonner pour ne pas rater les news. Ok, à la prochaine. Au revoir. Zaijian.